Selon Umberto Eco, je l'ai déjà dit, les archétypes de la théorie du complot, des fausses nouvelles, des autres croyances mensongères qui polluent l'imaginaire social, se retrouveraient dans l'univers de la fiction. Ces croyances ne seraient en quelque sorte que des excroissances fictionnelles de l'imaginaire social. La littérature fictionnelle nous parle d'ombres qui mangent des enfants, de sorcières qui ont des rapports avec le diable, de fanatiques qui conspirent contre le reste de l'humanité. Or, quand nous lisons toutes ces choses, nous sommes persuadés de ne pas y croire. Mais il suffit, observe Eco, que l'on imagine un seul instant que notre pire ennemi pourrait avoir accompli l'une de ces monstruosités pour être tenté de croire vraiment qu'il existe au monde des personnes assez perverses pour commettre des choses aussi obscènes. Enivré par le plaisir qui nous envahit lorsque nous imaginons les personnes que nous haïssons viscéralement dans l'acte de dévorer des enfants, ou de copuler avec le diable, ou de conspirer contre le reste de l'humanité, nous finissons par croire vraiment qu'ils se comportent ainsi. Il a été donc possible, selon Eco, d'accuser de ces monstruosités les Templiers, les sorcières, les Juifs, les francs-maçons. Regardez cette citation tirée de l'avant-dernier roman d'Umberto Eco. Les gens dévorent des aventures de terre ou de mer, ou les histoires criminelles par simple plaisir, puis oublient facilement ce qu'ils ont appris, et quand on leur fait apprendre pour l'argent comptant ce qu'ils ont lu dans un roman, ils ne s'avisent que vaguement qu'ils en avaient déjà entendu parler, et ils ont confirmation de leur croyance. Donc tous les lecteurs des romans d'Umberto Eco savent que son œuvre narrative, même si elle semble multiforme et variée, n'a fait que décliner à l'infini une seule et même histoire. L'Odyssée d'un ou plusieurs personnages qui perdent le sens de la réalité et finissent par croire aux histoires imaginaires, souvent fictionnelles, qu'ils avaient eux-mêmes inventées. Comment s'effectue la greffe d'une histoire fictionnelle dans l'imaginaire social? Comment la fiction s'incruste-t-elle dans la réalité? Pourquoi, en d'autres termes, les gens succombent-ils à des croyances fictionnelles? Eco fournit au moins deux réponses. La première est la suivante. Les gens ne croient pas aux choses vraies, mais aux choses vraisemblables. Il n'est pas nécessaire qu'une croyance soit vraie pour pouvoir être crue. Il suffit qu'elle soit vraisemblable. On en avait déjà parlé hier. Nous avons tendance à tenir pour crédible toute affirmation qui confirme notre vision du monde. Et nous ne nous embarrassons pas de savoir s'il y a des preuves qui valident l'affirmation en question. Quand un espion, écrit Eco dans le cimetière de Prague, vend quelque chose d'inédit, il ne doit rien faire d'autre que raconter quelque chose qu'on pourrait trouver sur tout inventaire de livres d'occasion. Il n'y a rien, selon Eco, qui ne puisse devenir objet de croyance, y compris les choses les plus invraisemblables. Les gens ne veulent apprendre que ce qui peut flatter leurs préjugés, surtout s'il s'agit de préjugés qui n'ont aucune légitimation empirique. Par exemple, il m'est toujours arrivé, affirme Baudolino, qu'à peine je disais « j'ai vu ça » ou bien « j'ai trouvé cette lettre qui dit comme ça », avec même la possibilité que je l'ai écrite moi, les autres donnaient l'impression qu'ils n'attendaient que cela. Donc la première raison pour laquelle, selon Eco, nous sommes vulnérables aux croyances fictionnelles, c'est qu'elles sont pour la plupart vraisemblables, ou en tout cas, elles flattent nos préjugés. La deuxième réponse qu'il donne, empruntée à Popper, est que la fiction, les croyances empruntées à la fiction, ne peuvent pas être falsifiées. La fiction a en effet pu être définie comme une forme de communication à dénotation nulle, parce que rien dans le monde ne correspond aux significations qu'elle mobilise.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucun document écrit, aucun témoignage oral, ou plus en général, aucune donnée empirique susceptible de légitimer l'authenticité des choses racontées dans un roman. Si nous croyons donc aux choses divulguées par les romans ou à l'existence d'un personnage créé par l'imagination d'un romancier, personne n'aura jamais la possibilité, selon Eco, de délégitimer nos croyances, faute de pouvoir réfuter les documents empiriques sur lesquels devraient s'appuyer les croyances en question. Selon Eco, les croyances sociales les plus difficiles à extirper sont paradoxalement celles qui ne s'appuient sur aucun document empirique. Car s'il existe des documents empiriques à l'appui d'une croyance, il y a toujours la possibilité de délégitimer cette croyance en dénonçant le caractère non authentique du document en question. Ainsi, Lorenzo Valla, humaniste italien du XVe siècle, avait pu démontrer que la Donatio Constantini, par laquelle les papes prétendaient que l'empereur Constantin leur avait délégué le pouvoir, était un faux document fabriqué de toutes pièces quelques siècles après la mort de l'empereur. Or, selon Eco, cette croyance s'était appuyée sur des racontars, des témoignages indéterminés, voire aussi sur des œuvres de fiction, il aurait été beaucoup plus difficile de les valider. Voilà une citation à l'appui de cette affirmation. « Jamais, jamais, écrit un personnage du cimetière de Prague, il ne faut travailler sur des documents authentiques ou authentiques à moitié. Car s'il existe quelque part, quelqu'un pourra toujours aller les chercher et démontrer que quelque chose a été reporté de façon inexacte. » Alors, le problème se pose maintenant pour Umberto Eco, qui est persuadé que la fiction est la source d'une croyance complotiste, de réhabiliter la fiction. Car n'oublions pas qu'il est quand même l'auteur de 7 romans. Eco a donc voulu éviter que ses propres romans ne deviennent eux aussi des foyers involontaires de croyances conspirationnistes. À cet effet, il a signé des romans qui s'autodénoncent eux-mêmes comme faux, mensongers, en un mot comme incroyable. En d'autres termes, ces romans s'offrent aux lecteurs sous des apparences qui n'autorisent, selon moi, aucun acte de croyance. Les stratégies qui permettent à Eco de porter le coup de grâce à la crédibilité de ses romans sont les suivantes. Alors, tout d'abord, j'ai repéré un certain nombre de stratégies qui relèvent de l'énonciation, de l'acte de raconter. Et tous les lecteurs de romans d'Umberto Eco s'aperçoivent qu'il est toujours question dans ses romans de décrédibiliser la parole de la voix qui prend en charge la narration de l'histoire. Le narrateur des romans d'Umberto Eco est généralement présenté comme un être crédule, prêt à gober toutes sortes d'histoires fausses, y compris celles qu'il a lui-même inventées. Voici ce que Baudolino, menteur impénitent, dit de lui-même. « Quand tu dis une chose que tu as imaginée et que les autres te disent qu'il en est vraiment ici, tu finis par y croire toi-même. » Et voici ce que dit un autre narrateur des romans d'Eco, Jacopo Belpo. Ai-je le droit de juger les autres, moi, qui rôde à la recherche de Madame Bovary pour lui faire une scène? Et quant au narrateur du cimetière de Prague, il s'agit d'un être amnésique qui cherche à retrouver la mémoire en rédigeant sa biographie, mais l'abus de drogue prive sa parole de toute crédibilité. L'absinthe est en train d'accomplir son œuvre, et si j'allais né sur une bougie, je déclencherais une grande flamme au lumignon. Donc vous voyez, Eco a tendance, et la liste pourrait continuer, à présenter les narrateurs de ses romans soit comme des menteurs, soit comme des visionnaires, soit comme des amnésiques ou des drogués. On ne peut pas, franchement, leur faire confiance. Il y a ensuite d'autres stratégies qui visent à décrédibiliser, pour les raisons que je disais tout à l'heure, les histoires qu'ils racontent, mais qui relèvent, elles, non plus de l'énonciation, mais de l'énoncé. Eh bien, il me semble que, si l'on considère les histoires que raconte Umberto Eco, indépendamment de l'acte d'énonciation, il faut reconnaître que dans ces histoires, Eco bat en brèche tous ou presque les systèmes de prévision qui président à la compréhension des comportements humains représentés dans un roman.
En règle générale, l'agir d'un personnage ne nous devient compréhensible que s'il se déploie selon des formes qui cadrent avec l'horizon prévisionnel à partir duquel nous déchiffrons l'agir de nos semblables. Or, est-ce particulier dans chacun de ces romans pour raconter des histoires qui se déploient sous le signe de l'invraisemblance la plus totale. Quelques exemples. Simonini, simple apprenti chez un notaire de Turin, entre au service de la police secrète du règne de Sardaigne d'abord et de l'État français ensuite. En tant qu'espion, il entre en contact avec d'importantes figures de son époque, Garibaldi, Dumas, Nievo, Joly, Freud. Il participe à l'expédition des Mille, prémisse de l'unification politique de l'Italie. Il participe à la Commune de Paris et à d'autres faits majeurs de l'histoire du 19e siècle. Mais surtout, il passe sa vie à persécuter les Juifs et se distingue dans ce domaine, comme on l'a vu aujourd'hui, par la réalisation d'un exploit, entre guillemets, effroyable, mais décisif, la rédaction de l'évangile de l'antisémitisme moderne, les protocoles des sages de Sion. Non que les faits racontés dans ce roman soient vraiment impossibles, mais ils sont, me semble-t-il, hautement invraisemblables. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent que très rarement, là où, comme le dit Aristote, le vraisemblable est ce qui arrive le plus souvent. Même chose pour les autres romans. Issu d'une modeste famille de la noblesse d'épée piémontaise, Roberto della Grive côtoie dans l'île du jour d'avant les grands noms de l'histoire de son temps et reçoit de Mazarin en personne l'ordre d'embarquer sur un navire pour espionner les Anglais. Autre exemple, simple paysan piémontais, Baudolino, devient dans le roman homonyme le fils adoptif de l'empereur Frédéric Barberousse, ainsi que son principal conseiller. Il parviendrait ainsi à tirer les ficelles de toute l'histoire de son temps et à consacrer la gloire de son protecteur grâce à des ruses tout aussi spectaculaires que probables, la création de fausses reliques, la canonisation de Charlemagne, etc. Je le répète, les intrigues de Roman de Eco ne sont pas impossibles, mais leur vraisemblance paraît extrêmement douteuse. Les destins de Simonini, de Roberto della Grive, de Baudolino, même s'ils venaient à se réaliser dans la vie réelle, ils ne représenteraient qu'une exception à la règle qui préside au destin réel des hommes de notre espèce, dont on sait, ou l'on devrait savoir, qu'ils ne parviennent que très rarement à s'affranchir du déterminisme inscrit dans leurs conditions sociales et à façonner leur vie au gré de leur libre volonté toute puissante. La liste des invraisemblances attestées dans les romans d'Umberto Eco serait encore longue, mais le constat ne changerait pas. Il me semble que toutes les aventures de ces personnages offensent la manière dont une personne normale tend à se représenter le destin d'un être humain normal dans un monde normal. Mais ces invraisemblances, ne l'oublions pas, dans les intentions d'Umberto Eco ne sont pas un défaut. Elles mettent à l'abri ces fictions du soupçon de pouvoir fonctionner comme source de corruption de la perception sociale de la réalité. Récapitulons, avant de conclure, ce que je viens de vous dire. Selon Umberto Eco, la société actuelle serait atteinte d'un état d'aliénation imaginaire induit par la fiction. La vulnérabilité de la société aux croyances conspirationnistes tiendrait notamment aux facteurs suivants. Tout d'abord, à l'indexation de la plupart de nos croyances sociales sur le vraisemblable et non pas sur la vérité empirique. Ensuite, cela dépendrait de l'impossibilité de délégitimer par des procédures de falsification empirique toute croyance empruntée à l'univers de la fiction. D'où le remède que propose Umberto Eco, la fiction ne devient légitime que si elle est la vitrine des histoires les plus invraisemblables, de manière à court-circuiter les réflexes culturels qui jadis nous inclinaient à chercher dans les œuvres fictionnelles un reflet analogique de notre expérience du monde. Or, que peut-on objecter aux thèses d'Umberto Eco? Je vais les passer en revue, je vais essayer d'objecter les choses à ces trois points qui représentent la charpente de la thèse
qu'il a voulu soutenir au sujet de l'aliénation fictionnelle, en quoi consisterait le complotisme selon lui. Tout d'abord, premier point, les fictions dans lesquelles puiseraient leurs racines les lubies conspirationnistes de notre société sont toutes des fictions hautement invraisemblables. Les romans feuilletons, les romans de cap et d'épée, les contes merveilleux ou légendaires. Or, la thèse d'Umberto Eco pourrait être tenue pour acceptable uniquement s'il n'existait aucun autre genre fictionnel que les romans feuilletons. La fiction devrait en somme coïncider avec la paralittérature. Mais il est évident qu'il existe aussi d'autres genres de fiction. La vulnérabilité imaginaire qui caractérise les lecteurs de fiction, dont parle Eco, ne peut donc pas être étendue à l'ensemble des lecteurs de fiction. Deuxième objection à la deuxième thèse d'Eco. Quant à les possibilités de délégitimer les croyances divulguées par la fiction, elle ne doit pas nous faire oublier que l'absence de documents empiriques joue aussi en sens inverse. Elle met également en échec les tentatives de légitimation des croyances fictionnelles. Si l'absence de documents empiriques est préjudiciable à ceux qui voudraient réfuter une croyance divulguée par un roman, il est vrai aussi que l'absence de ces documents porte également préjudice à ceux qui voudraient légitimer ces croyances. Il n'est pas concevable, en tout cas, que dans un monde imbu de scientisme comme le nôtre, qui reconnaît dans le savoir scientifique le parangon insurpassable de toute forme de savoir, l'absence de preuves empiriques soit propice à l'enracinement de croyances fictionnelles. Passons enfin au troisième point et à la dernière objection, c'est-à-dire à la critique de la solution par laquelle Eco prétend remédier à l'aliénation fictionnelle dont témoigne à ses yeux le conspirationnisme qui gangrène la perception sociale de la réalité. Essayons de suivre le raisonnement d'Umberto Eco. Si la fiction est le foyer du conspirationnisme, faut-il abolir la fiction pour lutter contre le conspirationnisme? Non, répondrait Eco, mais il faut l'empêcher de perturber la perception sociale de la réalité. Donc Eco réhabilite, comme on l'a vu, la fiction en injectant dans ses romans des doses massives d'invraisemblance. Ses romans deviennent ainsi une vitrine des comportements les plus invraisemblables que l'on puisse imaginer. Ce faisant, ces romans ne cessent pas d'être une fiction, car il y a bien des fictions invraisemblables. Pensez par exemple aux fables, aux contes merveilleux, aux romans paralittéraires. Mais la fiction telle que l'entend Umberto Eco ne peut plus, selon moi, remplir la fonction à laquelle elle a été redevable de sa légitimité culturelle dans le cadre de la société moderne. De mon point de vue, la fiction a été l'un des lieux les plus importants de problématisation des catégories éthiques, politiques, esthétiques et religieuses autour desquelles gravitait la société sociale, la vie sociale dans le cadre d'une démocratie. Je tiens à expliquer ce point fondamental de mon argumentation. Une histoire fictionnelle ne doit pas être vraie. Elle doit être vraisemblable. Elle n'a besoin d'aucune légitimation empirique. Il lui faut simplement une légitimation culturelle. Par légitimation culturelle, j'entends la correspondance qu'il doit forcément y avoir entre la manière dont elle se développe et les schémas qui président à notre compréhension de l'agir humain. Les histoires, peut-on lire dans tous les manuels de narratologie, sont des enchaînements d'actions. Et ces actions ne nous deviennent intelligibles que si elles se développent conformément à notre logiciel culturel, c'est-à-dire conformément au schéma qui préside à la compréhension de l'agir de nos semblables. Ces schémas sont culturellement et historiquement déterminés et rendent compte de la manière dont une société décrypte, en certains moments de son histoire, les comportements humains. Ainsi, les notions de vengeance, de sacrifice, d'adultère, mais aussi de complot, servent de médiation à la compréhension de toutes les actions, empiriques ou imaginaires, qui exemplifient le sens qui est inscrit dans chacun des termes énoncés plus haut. On dira donc qu'une action fictionnelle devient intelligible uniquement si elle exemplifie les schémas d'action qui président à un certain moment de l'histoire à la compréhension des comportements humains.
Ce rapport d'exemplification correspond à ce qu'Aristote appelait vraisemblance. Or, le propre de l'exemplification fictionnelle, c'est qu'elle questionne ouvertement les connotations éthiques, politiques, esthétiques ou religieuses qui coiffent, pour ainsi dire, tous les schémas qui président à notre compréhension de l'agir humain. Par exemple, les œuvres de fiction dont l'intrigue tourne autour d'un parricide, d'un adultère, d'une passion morbide, d'une vengeance, obligent chacun de leurs lecteurs à questionner ses convictions profondes en matière éthique, politique, esthétique ou religieuse. Or, en s'interdisant de raconter des histoires vraisemblables, Umberto Eco s'interdit aussi de questionner les valeurs éthiques, politiques et religieuses ou autres qui coiffent les modèles de comportement exemplifiés dans les fictions vraisemblables. Et même s'il tente parfois de le faire, l'invraisemblance constitutive des histoires qu'il raconte rend invraisemblables les questionnements, les problématisations et les critiques qu'il formule à l'égard de telle ou telle autre forme de conduite. Si la problématisation de certaines formes de comportement n'est pas absente chez Eco, elle est fortement velléitaire. Ces romans passent donc à côté de la fonction qu'ils pourraient encore remplir si seulement leur vraisemblance n'avait pas été sacrifiée sur l'autel d'une lutte improbable et fantomatique contre le complotisme alimenté par la fiction. Comment se transmettent d'une génération à l'autre les valeurs éthiques, politiques, religieuses, esthétiques sur lesquelles se fonde la vie sociale? Or, la société moderne a inauguré un modèle de société qui met constamment en cause l'héritage moral, politique, religieux, esthétique des générations précédentes, en le problématisant, en le critiquant, en le réformant, sans pourtant jamais succomber à la tentation de l'abolir. Or, la société contemporaine, elle, pas la société moderne, la société postmoderne, actuelle, a, me semble-t-il, de plus en plus tendance à abolir l'héritage des valeurs du passé. Notre monde est devenu un monde axiologiquement neutre, c'est-à-dire un monde amoral, apolitique, irreligieux. Tout se vaut. Nous portons sur les comportements humains le même regard aseptisé que les physiciens portent sur les protons et les neutrons ou que les chimistes portent sur les particules élémentaires. Dans le cadre d'une société comme la nôtre, qui est de plus en plus régie par des mécanismes d'autorégulation économique, les idées qui modelaient autrefois les comportements humains, non reconductibles à des intérêts économiques, donc les idées éthiques, politiques et religieuses, n'ont plus besoin d'être problématisées. Je dirais même qu'elles ne doivent plus l'être. Toute problématisation ralentirait leur agonie fatale et ralentirait surtout la réalisation du programme inhumain qui tient actuellement en otage le destin de l'humanité. Pour accélérer l'avènement d'une société entièrement gouvernée par des réflexes économiques, l'ultracapitalisme actuel ne peut pas admettre qu'il puisse y avoir des pratiques symboliques comme la fiction qui stimulent l'imaginaire collectif par la mimésis de situations réelles dans le but de questionner, problématiser ou mettre en crise les évidences éthiques, politiques ou religieuses dominantes. Rien ne profite plus à l'ordre dominant que l'idée farfelue colportée par des intellectuels comme Umberto Eco, selon laquelle la fiction serait la cause principale des lubies conspirationnistes qui polluent actuellement le sens social de la réalité. D'autant que cette idée légitime la stigmatisation de la fiction, sa mise en quarantaine, son confinement imaginaire, au grand temps de l'éclairage qu'elle pourrait encore apporter à notre vision de la réalité. Si seulement on savait encore lire la réalité à travers la fiction. Le diagnostic d'Umberto Eco sur les théories du complot n'est donc pas refusé uniquement parce qu'il est erroné, partiellement erroné. Il est à refuser, selon moi, parce qu'il fait le jeu de l'ultracapitalisme, en secondant la logique qui est en train de renfermer la vie humaine à l'intérieur d'un horizon exclusivement économique. Le modèle de fiction dont relèvent ces romans emprisonne les représentations fictionnelles dans une sous-sphère ontologique, correspondant à tout ce à quoi nous ne pouvons pas croire à cause de son invraisemblance. Miroir du faux, la fiction devient chez lui une activité ludique et oiseuse.
n'ayant plus aucun rapport avec la réalité et ne répondant surtout à aucune autre finalité qu'à celle de satisfaire cette sorte d'onanisme érudit dans lequel se complaisent les adeptes postmodernes de l'intertextualité, de la métatextualité, de la paratextualité, de l'hypertextualité et plus en général de l'écriture au second degré. Merci de votre attention.